c'est un des remèdes anti-crise, c'est très clair. Et le statut VDI, c'est grâce au statut VDI que la France s'est hissée au premier niveau des marchés européens de la vente à domicile. Je trouve ça extraordinaire de penser que ce système de distribution, qui est un système américain, est très libéral. Hein ? On peut penser américain très libéral que ça va être compliqué de venir s'installer en France. On est premier marché européen, septième marché mondial, deuxième fédération au monde. C'est la première fédération, c'est la fédération américaine en nombre d'adhérents. Deuxième fédération, c'est la fédération française. C'est extraordinaire. Et ça, il n'y a pas photo, c'est grâce au statut VDI. La part homme-femme dans des entreprises de vente par réunion en particulier, ça doit être 95% de femmes et 5% d'hommes. Et vente en face à face ? Alors vente, évidemment, quand on est dans des produits comme le ravalement de façade ou les fenêtres, on aura plus d'hommes dès que le produit est technique. Quand on parle de petites culottes ou quand on parle de vêtements pour enfants, on attirera plus facilement des femmes. Mais je peux vous dire que la parité dans notre profession d'une manière générale est à l'avantage de la femme.